Oh.
Tom. Okay. Malheureusement, je pense qu'elle repartira comme les autres, mais elle s'intègre parfaitement au lobby du Royal, mais aussi au lobby du Normandie, bien entendu. Parfait. Super, merci. Bonjour. C'est l'usage qu'on fait du mot qui est péjoratif. Bonjour. Vous avez quelqu'un qui suicide. Il y a ces chaussures qui font mal. Oh, il y a des gens qui sont suicidés. On attendait juste que la coupe la musique, en fait. Voilà, c'est pas du Borcard. C'est Borcard. Les écoles de Paris pour
embauchée avec son art. Et vous savez que c'est très difficile d'accéder à l'éducation quand on a cette différence-là. Et c'est le but aussi de cette exposition, de sensibiliser les gens et puis surtout montrer son travail. Mariam peint depuis combien de temps? Elle peint depuis son plus jeune âge, je pense qu'elle a commencé à faire ça tout le temps. Elle avait fait de la musique aussi, et les parents ont dit assez vite qu'elle était vraiment très sensible à la peinture. Et donc elle a pris des cours particuliers, qui est importante aux yeux de sa professeur, des gens qui la connaissent, qui suivent son mari. Elle peut partir, voilà. On voit que Juliette Binoche soutient. Elle a manifesté ce soutien, elle était très sensible, elle a fait un très joli texte qui est dans la préface du catalogue de Mariam. Et ça compte beaucoup. Ce soutien est très précieux. C'est difficile de définir. Il y a du Matisse, il y a un peu de Miro, il y a surtout beaucoup de Mariam, de son âme, l'amour de vie, de ce qu'il aime, le soleil, les couleurs. Donc, je ne pense pas qu'il faut définir. Parce que quand on définit, on redit les choses. Absolument, vous avez raison. Ce qui est étonnant, c'est quand on voit ces toiles ici, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont faites pour y être. Alors, est-ce qu'elles vont rester là? Je ne sais pas s'ils vont rester là, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils étaient accueillis avec tellement d'amour. Et je remercie toute l'équipe de l'hôtel Lucien Barrière et son président pour cet accueil extrêmement chaleureux et généreux. Et les toiles s'inscrivent d'une manière merveilleuse, absolument. Oui, c'est étonnant parce que c'est vrai que dans le cadre d'un festival de cinéma américain, on peut se dire que voilà, ça va peut-être faire étrange dans une exposition. Et en fait, ça s'intègre parfaitement à tout. Quoi. Oui. Et les gens sont contents en plus. Oui, ça c'est très touchant. Il y a beaucoup de personnes qui ont signé le livre d'or. Il y a des gens très connus. Il n'y a pas de John Travolta qui a discuté un petit peu avec Mariam? Absolument, qui a même posé dans les photos. Il y a Michael Douglas qui a signé le livre. Plein d'autres personnes. Ce qui est touchant, c'est que c'était fait avec beaucoup de sincérité. Merci beaucoup. Merci à vous. On a l'impression qu'il va rester là. Quoi. Il est bien en tout cas. Oui, il s'inscrit parfaitement dans l'intérieur. C'est une abstraction qu'elle a faite pendant ses vacances à Istanbul. Et c'est un des plus importants, un des plus importants dans la collection. Ça fait du bien en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah non, c'est nous. Elle vous dit pas si. Attends, je voudrais mettre un clip. Faut que je vérifie quelque chose. Merci beaucoup. D'accord. Ça vous va? Écoute, ouais. C'est bon, vous êtes assez prêts? Chers amis, je suis heureux de vous accueillir au nom des établissements Lucien Barrière de Deauville à l'occasion de ce 39e festival du cinéma américain que nous sommes fiers de soutenir. Cette année, nous avons eu
et nous avons ainsi l'immense chance de mettre à l'honneur le talent rare et émouvant de l'artiste. Moi, lorsque notre chère Irada, ici même présente, précisait également que ces tableaux ne sont pas à vendre et qu'ils font partie intégrante de l'environnement de Mariam. Activité exacerbée. Que l'on retrouve aussi bien un moment exceptionnel et nous vous souhaitons une excellente soirée. Je vais maintenant donner la parole à M. Taïr. Chers amis, chères madames et messieurs, chers amis du festival, chers amis, ce soir nous avons une soirée très importante, très agréable. Nous nous réunissons dans cet hôtel Royal Barrière. Je veux dire que la jeune peintre Mariam elle a contribué beaucoup pour cette exposition. Cela fait longtemps que j'ai fait connaissance avec son travail. Mariam vient mir своими глазами. Et je veux dire que Mariam porte un regard très particulier et personnel sur le monde. Et elle traduit dans ses toiles le monde qu'elle voit avec beaucoup de cœur et beaucoup de personnalité. Cette картина несет в себя вот ее творческий мир. Ces toiles portent en eux tout le monde qui lui est propre. J'ai bien conscient que ici il y a deux. Je peux dire, si je peux me permettre, que c'est un savoureux mélange et synthèse de la France ainsi que aux dirigeants de l'hôtel. Et nous vous remercions sincèrement pour le fait que ce soir nous sommes tous réunis autour de Mariam. Mariam прошла очень большой путь, хотя она юная, прошла. Malgré le fait que Mariam est très jeune, elle a eu un parcours assez difficile. Награждена многими высокими премиями международных выставок. Mais elle a aussi un parcours très singulier et riche parce qu'elle a reçu beaucoup de médailles d'honneur dans des festivals internationaux. Вот ее произведения, как драгоценное произведение, украшают. И это замечательно. Я в конце 80-х годов открывал выставку в Москве крупнейшего дизайнера Ильсона. À la fin des années 80, j'avais fait l'ouverture d'exposition de plus grands designers de mode, de plus grands couturiers français, M. Saint-Laurent. Et à l'открытие, я сказал, один афоризм. Любить – это значит перестать сравнивать. J'ai dit à l'ouverture de la soirée la phrase suivante. Aimer, ça veut dire d'arrêter la comparaison. Сегодня, через 25 лет, эти слова в честь Мариам. Мы ее любим, и ее творчество ни с кем мы не сравним. Мы благодарны Мариам. Merci. Вам за то, Мариам. За то, что ты нас привезла в Вильнюс.
Merci à Maria de nous avoir fait voyager jusque de Vienne. Спасибо тебе, Мария, что вы здесь рядом с тобой. Спасибо тебе за талант. Merci, Maria. Nous souhaitons une excellente soirée à tous et à toutes. Merci. When I see people, some of the very good time, I saw them. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'était... Non mais Merci. Thank you.